Ça fait depuis 2009-2010 que j'ai pas remis un pied ici. Et franchement, ça me donne la chair de poule. J'ai retrouvé ma chambre. Pour l'instant, je suis seul. On verra avec qui je vais être. Mais je pense que je vais essayer de m'intégrer dans le groupe le plus rapide possible. Et puis m'entraîner dès demain avec le groupe. C'est deux types formidables, Kevin Gourdon et Winnie Antonio. Ils m'ont dit te prends pas la tête et tu sais ce que tu dois faire. Et c'est le principal. Pas vraiment de revanche. J'essaie de faire le maximum ce que je peux tous les week-ends. C'est pas forcément une revanche, c'est un truc que je vis rarement. Donc j'en suis fier d'être ici et je suis très content. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Beaucoup de choses. Beaucoup ému, beaucoup aussi de stress. Je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai appris à la veille de la liste officielle par mon coach. Donc je l'ai appris le soir. Donc c'est sûr, avec beaucoup d'enthousiasme et très heureux de l'apprendre. C'est le travail qui est réalisé en club avec le collectif, individuellement, tout ça. C'est plein de choses qui font que peut-être que je suis là aussi maintenant. Donc je pense que c'est ça. J'ai que 21 ans, donc je sais. Il va falloir faire les choses au fur et à mesure. Et c'est sûr que je vais écouter au maximum. Je vais écouter. Je vais essayer aussi de prendre des initiatives. Mais c'est sûr que je vais essayer d'engranger le maximum d'expérience avec des joueurs comme ça.